Shalom, shalom. Soyez bénis. Soyez tous bénis. Shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Partagez, on va commencer, on va prier pour les jeunes. Dans le nom de Jésus, nous avons rendez-vous comme prévu pour prier pour le jeûne. Pour ceux qui sont en France ou qui ont les mêmes heures que nous, là il est 18h, le jeûne va s'arrêter. Ceux qui sont dans d'autres pays, si votre heure n'est pas arrivée, vous priez. Quand 18h arrive chez vous, vous arrêtez le jeûne. Bon, ceux qui font jour chez eux, vous commencez votre jeûne. Et puis à 18h, vous priez avec la prière que nous aussi on a fait aujourd'hui. Vous écoutez, vous priez. Donc, on n'a pas les mêmes heures. Et on pourra jamais se retrouver aux mêmes heures. Donc là, on est obligé de faire comme ça. Moi, je suis en France. Je marche avec l'heure de France.
dont vous me suivez avec l'heure de France. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour... Aujourd'hui, j'ai envie de parler de foi. Avant qu'on prie, de foi. Je voulais parler de deux piliers de la foi, mais je vais être rapide. Où est-ce que ça sonne? C'est ici. Ok. Silencieux. Voilà. Donc, je vais parler de deux piliers de la foi. C'est important pour moi, deux piliers. Pourquoi j'ai dit deux piliers? Alors, je vais parler de deux aspects, en fait, de la foi. Même trois, même peut-être, de la foi. Même trois. Alors, c'est à vous de liker le direct. C'est à vous de partager, de liker. Le jour où on va arriver à 1000 partages, 2000 partages, 3000 partages, on dira que vous êtes vraiment en train de partager les directs. Si c'est 50 partages, 60 partages, alors pour moi, vous amusez avec les partages. Vous n'avez pas encore réellement partagé, mais ce n'est pas le but. Là, on va prier pour le jeûne. Et je ne sais pas pour vous, mais... Excusez-moi, je change de musique. Je ne sais pas, mais ce jeûne qui a été décrété là, il fatigue beaucoup. Hein. Le premier jour d'hier déjà, premier jour là, je l'ai bien senti. J'ai bien senti le jeûne. Ouais, je l'ai senti comme si j'avais jamais jeûné dans ma vie. Aujourd'hui encore, il est bien senti. Hein. Très bien même. Ah oui, j'ai senti le jeûne là. Je peux vous dire. Mais, quand tu sens le jeûne comme ça là, un petit jeûne d'une journée comme ça, tu le sens comme ça, frère, c'est que tu es dans de bonnes voies. C'est que le combat vaut le coup. C'est que le temps que tu prends pour prier là, ça vaut le coup. Ah oui. Tu fais un jeûne que tu ne sens pas. C'est quand tu fais un jeûne que tu sens 3 jours, 4 jours, 5 jours, tu ne sens pas, c'est facile. Ça là, bon, faut bien te revoir. Hein. Mais deux fois, tu fais un jeûne de 1 jour seulement et tu le sens même. Tu le sens comme si tu n'as jamais mangé dans ta vie. Tu le sens comme si tu n'as jamais jeûné dans ta vie. Et là, vraiment, dis-toi que tu es en train de jeûner. Dis-toi que le ciel est en accord. Dis-toi que la terre est en accord. Dis-toi que, effectivement, là, tu es en train de parler à Dieu. Ah. Donc, nous allons maintenant prier d'abord pour commencer. Seigneur, bénis ce moment. Que dans le nom de Jésus, ta grâce soit sur notre vie. Bénis puissamment ce moment. Nous sommes dans une période où nous voulons chercher ta face et nous savons que nous la verrons et nous la voyons déjà. Par ta parole, édifie-nous. Bénis chacun de tes enfants. Bénis ici, Seigneur, aujourd'hui, et que ton esprit ne cesse d'agir en notre faveur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, il n'y a que 55 vues. Je ne sais pas si vous mettez les cœurs. Je ne sais pas si vous partagez. À un certain moment, pour vous faire plaisir, je vais arrêter un peu le direct. C'est vrai. Hein? Parce que moi, quand quelque chose me prend trop la tête, j'arrête. Donc, à un certain moment, pour vous faire plaisir, je vais arrêter le direct. Je vais me reposer comme tout le monde. Dormir, manger, m'occuper de ma petite famille un peu. Et puis bon, comme ça vous ne serez pas obligé d'entendre tous les jours partager. À un certain moment, c'est ce que je vais faire. Et ça, comptez sur moi. À un moment, il aura un moment de silence si ça continue. Parce que je pense que vous pouvez partager. Je ne parle pas seulement de like. Quand je regarde les partages, dans un direct où il y a 4000 vues, 5000 vues après le direct, tu regardes le direct, il y a 50 partages. Il y a 60 partages. Ça veut dire que les gens n'ont pas partagé. Vous ne partagez pas. Voilà.
Voilà, il y a des gens qui viennent mettre tête de mort encore dans un moment de prière. Comment des gens peuvent chercher malédiction comme ça? Moment de jeûne et prière, tu viens même tête de mort. Bon, peut-être que ton papa est mort, tu crois que c'est moi qui l'ai tué. Comme votre père est mort, vos mamayeurs sont en train de se cacher. Vos mamayeurs sont entre la vie et la mort. Donc là, vous êtes énervé par rapport à toutes ces conneries-là. Donc c'est peut-être ça qui te fait mal. Mais peut-être que tu vas les suivre aussi. Voilà, continue de mettre tête de mort dans les moments de prière, c'est bien. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que si c'est comme ça, vous ne savez pas, il y a des gens qui sont là, hein, ils n'ont rien à faire, mettre tête de mort. Vous avez à partager, puisque c'est vous qu'on vient édifier. Partager, liker, partager. Les partage, c'est pas like. Les likes, on ne peut pas compter. Mais les partages, on peut savoir. Quand tu finis le direct, tu sais combien de partages il y a eu. Il n'y a même pas 100 partages. Il n'y a même pas 200 partages. Et le direct, après le direct, tu vois que le direct est à 4000, à 5000. Mais pourtant, il n'y a pas plus de 50 partages. Si c'est trop, c'est 100 partages, 100 et quelques. Bon, quand tu es là assis tout le temps, en train d'aider des gens, de les édifier, et puis ils ne prennent pas le temps, de partager. À un certain moment, c'est comme si ce que tu fais ne laissait à rien. Donc, tu peux te reposer. Voilà. Donc, à un certain moment, je vais me reposer. Et puis, on va se retrouver mais au moment où vous êtes prêt à partager. Parce que quand moi, je regarde les partages après le direct, vous n'avez pas participé. Si peut-être quelqu'un a partagé une fois, deux fois, l'autre a partagé une fois, deux fois, et puis l'autre a assisté sans partager. Voilà. Donc, nous allons commencer notre moment de prière. Voilà, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais parler un peu de la foi. Je vais prendre un test que vous connaissez tous. Le test de la femme qui perdait le sang. Dans Matthieu. Matthieu chapitre 9. Je vais prendre ce test pour expliquer deux choses et puis nous allons prier pour le jeûne. Alors, Matthieu chapitre 9, verset 18. Il est écrit dans tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte. Et il y a un instant, mais viens, impose-lui la main et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage. Ma fille, ta foi t'a guérie. Cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort, et ils se moquaient de lui. Ok, on va s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Je voulais parler un peu de la foi après-midi, pendant ce moment de jeûne. La foi. Vous connaissez tous le passage de cette femme qui perdait le sang. Et cette femme, on n'a pas besoin de toujours raconter son histoire, on la connaît déjà. Elle perdait le sang. Et elle s'est dit, je sais que si je vais toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Je sais que si je vais toucher
le bord de son vêtement, je serai guéri. On a plusieurs fois lu ce passage. On a déjà beaucoup prêché là-dessus. Là, on n'est pas un moment de prédication. On a un moment de prière pour arrêter le jeûne. Je voulais juste toucher deux éléments. La femme a eu la foi. Mais comment est-ce que nous savons qu'elle a eu la foi? Comment est-ce que nous savons que cette femme a eu la foi? Il y a eu trois choses. Et j'aimerais que tu retiennes ces trois choses avant qu'on prie. La première des choses, la femme a pensé. Donc le premier pilier de la foi, c'est la pensée. Voilà. Ta foi se déclenche déjà par ta pensée. C'est-à-dire, avant que tu parles, avant que tu agisses, tu penses. Je mets un peu la musique un peu forte parce que je suis au salon. Et voilà. J'espère que vous m'entendez. Hein? Voilà. Donc, la foi a des piliers. Mais je veux parler de trois. C'est-à-dire, la première chose, pour manifester ta foi, tu penses. Tu penses. Et c'est ce que cette femme a fait. Elle dit, je sais. Mais avant que la femme ne se dise, je sais, cette femme a d'abord pensé. J'espère que tu me suis. Aujourd'hui, le premier pilier, c'est-à-dire que dont je parle, c'est la pensée concernant la foi. C'est-à-dire, tu dis, j'ai la foi. Mais ta foi doit se manifester pour commencer par ta pensée. Ta pensée, tu penses quoi? Tu penses que Dieu va faire? Tu penses que c'est possible? Tu dois penser. À partir du moment où tu as pensé, tu dois maintenant... Ça, c'est le deuxième. S'exprimer. Penser, s'exprimer. N'est-ce pas? Penser, s'exprimer. Le troisième point, j'essaie d'aller un peu vite. Le troisième point, c'est quoi? C'est agir. Agir par la violence. Agir. Vous comprenez? Likez le direct là. Il y a des démons qui attaquent les directs, même les directs de prière. Vous avez, il y a des fils du diable qui sont là. Actuellement, Dieu est en train de dévoiler leur père, leur mère, leur grand-père. Dieu est en train de mettre tous les culs au dehors. Ils sont partout. Dieu met tous les culs au dehors. Donc, ce qui fait que ils sont énervés dans tous les sens. Tous les démons qui sont dévoilés là, ils se débattent comme ça. Donc, mettez des cœurs, partagez le direct, on va avancer. On n'a pas le temps à perdre avec les fils du diable qui sont en train de mourir un à un. Voilà. Donc, on avance. Donc, tu penses. La pensée d'abord. La pensée. À partir du moment où tu penses, tu te manifestes, tu agis par la parole déjà. Tu exprimes ta pensée. Et lorsque tu as exprimé ta pensée, tu dois mettre ton comportement, tes actions doivent prouver ta foi. Donc, je répète, penser, s'exprimer et agir. Donc, tu ne peux pas dire j'ai la foi et penser seulement. Oui, j'ai la foi, je sais que Dieu va faire. Tu ne peux pas dire j'ai la foi et parler seulement, sans penser. Je parle, Dieu va faire. Non. Tu ne peux pas dire j'ai la foi et puis te lever, agir bêtement comme ça, alors que tu n'as même pas pensé à la chose, tu ne t'es pas exprimé et tu te lèves comme ça, tu dis j'ai la foi. C'est pourquoi il y a des gens qui pensent qu'ils ont la foi, mais ils n'ont pas la foi. Ils croient qu'ils ont la foi, mais ce n'est pas la foi. La foi se pense, la foi s'exprime et la foi agit. Tu comprends? C'est pourquoi la Bible dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Cette femme, elle a pensé, elle s'est exprimée, elle a agi. Mais quand tu as la foi,
que tu as agi, que tu as pensé, tu as exprimé que tu as agi, quand tu as la foi, que tu as pensé, tu as exprimé que tu as agi, sache qu'il y a des épreuves devant. Sache qu'il y a des difficultés devant. Sache qu'il y a des adversaires devant. Il y aura toujours quelque chose qui t'empêcher ta foi. Il y aura toujours une épreuve. Il y aura toujours un combat. Il y aura toujours une situation. C'est très simple. Tu dis, j'ai la foi. Je prends un exemple très simple. J'ai la foi que si je fais cette offrande, Dieu va me bénir. Mais dès que tu as touché, on t'annonce un malheur. On t'annonce un problème. On t'annonce des choses juste pour éprouver ta foi. J'ai la foi que si je fais ceci, Dieu fera cela pour moi. Mais dès que tu prends la décision, il y a des choses qui viennent pour t'empêcher. Même le jeûne. J'ai la foi que si je jeûne pour ce sujet, j'aurai ma réponse. Mais écoute, les tentations que tu vas avoir pendant ton jeûne, pendant que le temps de jeûne que tu as prévu, juste pour t'empêcher d'exprimer ta foi. Tu comprends? Donc frère, ce soir à 21h, on a un direct. Ce soir à 21h, on a un direct. On va bombarder Satan. Ce soir à 21h. Mais maintenant, cette rencontre-là, c'est pour prier pour ceux qui sont déjà en France, en Europe, pour pouvoir arrêter leurs jeûnes. Et les autres personnes vont pouvoir donc prendre ces prières aussi pour plus tard, pour arrêter leurs jeûnes à eux. Je voulais te parler de la foi parce que tu as besoin de la foi. Vous savez, aujourd'hui, les gens pensent que c'est un homme qui peut faire quelque chose pour eux. Voilà. Un homme qui peut faire quelque chose pour eux. Donc, la plupart des gens pensent que c'est à force de s'approcher ou de courir après un serviteur de Dieu qui te donnera la solution. J'ai remarqué que les gens n'ont pas encore mis leur foi en Dieu, mais ils ont déjà mis leur foi au serviteur de Dieu. Suivez-moi bien. La femme qui perdait le sang n'a pas dit, je sais que si je parle à un de ses disciples, j'aurai ma réponse. Elle n'est même pas allée demander la permission à un disciple pour lui dire, est-ce que je peux parler au maître? Est-ce que je peux le toucher? Elle a simplement décidé d'aller toucher Jésus par sa foi. D'aller toucher Jésus par sa foi. Faites cela. Quand vous avez la foi, vous pensez. Pendant que vous êtes en train de penser, vous n'avez pas besoin d'expliquer à quelqu'un ce que tu penses pour ta foi. Lorsque tu as fini de penser, tu exprimes maintenant ta foi. Tu dis, je crois. Et lorsque tu as fini d'exprimer, tu agis par rapport à cette foi. Et sois violent. Sois violent comme Jacob. Jacob dit, Seigneur, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. Souvent, il faut être à ce stade de dire à Dieu, par ma foi là, je m'arrête là, je fais ceci. Si tu ne me bénis pas, Seigneur, on est encore ensemble. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier parce que ce n'est pas un moment de prédication. Je voulais juste avant qu'on prie pour terminer ce moment de jeûne. La foi, dans ces temps-ci, prie pour la foi. Demande à Dieu de t'aider à exprimer ta foi. Ta foi est une clé qui ouvre les portes. Ta foi est un aimant qui attire les choses. Ta foi, moi j'ai la foi que Dieu va frapper tous mes ennemis. J'ai la foi que Dieu va les guérir tous. Cette foi-là, elle est là. J'ai la foi. C'est-à-dire, ils n'ont qu'à attaquer page. Ils n'ont qu'à mettre tête de mort. Ils n'ont qu'à même faire. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. J'ai la foi que Dieu va les frapper. Ça depuis longtemps. Et ça a commencé. Dieu va les frapper. Même ceux qui mettent tête de mort ici. Même Dieu qui signale page, ils vont avoir problème. J'ai cette foi. Je suis assis tranquille. J'ai cette foi. C'est-à-dire, ceux même qui mettent tête de mort ou qui attaquent mes pages, c'est des gens que Dieu n'aime pas.
Ils viennent chercher problème pour leur vie. C'est-à-dire que c'est des gens Dieu veut frapper et que Dieu envoie exprès vers moi pour les frapper. J'ai cette foi. Donc je suis tranquille, hein. À l'aise même, tranquille. J'ai la foi même. J'ai prévenu certains, ils disent, tu vas voir, ils ont vu. J'ai dit, le race nettoyage, ça a commencé. Jusqu'à Dieu nettoie jusqu'à là où on ne pensait pas qu'il va nettoyer là. Il va nettoyer là-bas même. Donc, j'ai la foi que tous ceux même qui attaquent mes pages, ils vont avoir problème. J'ai la foi que tous ceux qui mettent tête de mort là, je m'appelle Atia Normal, la bouche autorisée. Mon cœur est soudé dans la foi. J'ai la foi qu'ils vont avoir problème. Eux-mêmes ne vont même pas savoir d'où vient le problème, mais ça va les frapper. Ça va les frapper. Donc, mon cœur est tranquille. Quand Dieu choisit des gens pour les frapper, pourquoi toi tu as dit, Seigneur, pourquoi tu les as choisis? Continuez, s'il vous plaît, à mettre des têtes de mort et à signaler ma part. Je cherche des candidats. Voilà. Donc, frère, quand tu as la foi, là, tu n'es pas perturbé. Quand tu as la foi, c'est dans ton cœur. Tu n'es pas perturbé. Moi, je suis posé serein. On dit, un tel est mort. Un tel a disparu. Un tel a fait ceci. Un tel a fait. Parce que j'ai la foi depuis longtemps que Dieu va le faire. Il m'a dit et ma foi est restée. Aujourd'hui, là, il y a des gens qui attaquent mes pages. Ils vont avoir problème. Il y a d'autres qui vont venir inbox me demander pardon. Il y a d'autres, comme certains, hommes de Dieu, pardon, on t'a insulté pour rien. Homme de Dieu, ceci. J'ai la foi qu'il y a d'autres même là. Tout le nombre de têtes de mort là, c'est le nombre de leurs problèmes qui arrivent. Vous voyez? Donc, sois tranquille. Ta foi, il y a des ennemis, oh, ta foi est là. Il y a épreuve, oh, ta foi est là. Il n'y a rien qui dérange ta foi. C'est comme ça que vous devrez marcher avec le Seigneur. C'est comme ça que vous devrez marcher. On va prier pour couper notre jeûne. On va se retrouver ce soir. On va laisser Dieu continuer son travail. Il n'a pas encore fini, hein. Nettoyer là, c'est pas encore fini, hein. Frapper là. Ça là, par exemple, là, ceux qui viennent attaquer, pas, ils font partie des gens que Dieu veut frapper. Dieu va les frapper, va frapper leur père spirituel, il va frapper leur grand-père spirituel, et puis eux qui sont les bébés spirituels, il va les frapper. S'il y a des gens de la politique dedans qui font, Dieu va faire tomber leur parti. Dieu va faire tomber, comment on appelle ça, leur chef. La personne qui défend à cause de ça, ils viennent attaquer l'homme de Dieu là. Dieu va le faire tomber. Ils vont avoir que ça pour pleurer. Ça veut dire qu'ils pensent qu'ils sont en train d'attaquer un homme. Mais c'est un homme de Dieu qu'ils attaquent. Et moi, j'ai cette foi. Donc, Dieu va les frapper. Ça veut dire qu'ils n'auront plus de doigts pour frapper. Donc, quand c'est comme ça, toi-même, tu es sûr, tu es serein, puis tu es assis, et puis tu regardes. Tu dis ouais, 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 ouais. Donc, encouragez-les. Continuez. Nous, on veut entendre les nouvelles seulement. On est sûr, on est là, et puis on dit, ah, Dieu a frappé lui là aujourd'hui, hein. Ah, lui là, Dieu l'a chicoté, hein. Ah, voilà un autre encore, hein. Ah, voilà un autre. Nous, c'est tout ce qu'on veut. Donc, on vous encourage. On a la foi que Dieu est avec nous. J'ai la foi que ton Seigneur dit amen. On va prier maintenant pour terminer notre direct. On n'est pas là pour tout ça. J'ai la foi que tes sorciers vont tomber, dit amen. J'ai la foi que ton problème s'enfuit, dis amen. J'ai la foi. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Aujourd'hui, on parle que de foi. J'ai la foi que la situation difficile, l'épreuve qui te fatigue est en train de prendre la fuite, dis amen. En ce deuxième jour de jeûne, par la foi, nous allons dans le camp de l'ennemi. Oh, bien-aimé, lève-toi avec moi par la force. Par la foi, nous allons dans le camp de l'ennemi. Nous fracassons la tête de tout ennemi de notre âme. Nous fracassons la tête de tout ennemi de notre vie. Ceux qui nous aiment, ceux qui nous détestent, ceux qui nous poursuivent, ceux qui nous en veulent, ceux qui... Ça veut dire que nous fracassons. Ça veut dire que pendant que nous on réussit, eux tombent. Oh, je suis en train de prophétiser sur ta vie. Il dit que pendant que tu réussis là, tes ennemis tombent. Pendant que Dieu t'élève, eux ils sont en train de manger la poussière. Je prophétise aujourd'hui dans la vie de quelqu'un. En ce deuxième jour de jeûne, le Seigneur te fait monter en hauteur. Et pendant que tu montes, tu piétines la tête de tes ennemis. Ils sont en train de se demander comment ça se fait qu'ils mangent la poussière et la terre
alors que tu es assis à la table du roi. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis assis à la table du roi? Est-ce que quelqu'un peut dire je suis assis à la table du roi? Ta foi va t'élever. Ta foi va t'envoyer dans une position supérieure. Ta foi va t'envoyer dans une position de grandeur. Ta foi va t'envoyer dans une position d'élévation. Il y a une chose. Le Seigneur a dit à Abraham, Abraham, je t'ai béni. Tous ceux qui vont te bénir, Abraham, vont être bénis. Ceux qui vont te maudire seront maudits. Est-ce que tu crois que tu es béni? Est-ce que tu as la foi que tu es béni? Toi, tu m'entends. Est-ce que tu as la foi que tu es béni? Toi, tu m'entends. Est-ce que tu as la foi que tu es béni? Toi, tu m'entends. Le Seigneur dit que toi qui es béni là, que toi qui l'as béni, parce que Dieu t'a béni, si quelqu'un vient te maudire, Dieu maudit la personne. Ce n'est pas toi qui maudis la personne. Quelqu'un vient te faire du mal, Dieu fait du mal à la personne. Parce que la bénédiction est sur ta vie. La bénédiction est sur ta vie. Écoute-moi très bien. Est-ce que tu as la foi que tu es béni? Est-ce que toi tu as la foi que tu es béni? Parce que si tu as la foi que tu es béni, tes ennemis sont en train de tomber. Ceux qui te maudissent sont en train d'être maudits. Ceux qui t'attaquent sont en train d'être attaqués. Ceux qui en veulent à ta vie sont en train d'être frappés. C'est ça la parole de Dieu. La foi. Lorsque Dieu a dit à Abraham, Abraham, tu es béni. Ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui te maudiront seront maudits. Abraham n'avait pas encore vu ses ennemis. Écoute-moi bien. Abraham n'avait pas encore vu ses ennemis. C'est après que Abraham va découvrir ses ennemis. Mais Abraham a eu foi en cette parole. Ferme la porte là, pousse la porte. C'est après que Abraham a vu ses ennemis. Mais lorsque Dieu lui a parlé, Abraham a eu la foi à la parole de Dieu. Et pendant tout le parcours d'Abraham, il n'y a aucun ennemi qui a pu surmonter Abraham. On n'a pas entendu un seul jour qu'il y a un seul ennemi qui a dominé Abraham. Et puis Dieu lui a dit, cette bénédiction était pour sa descendance aussi. Cette bénédiction était pour ses enfants. Vous me suivez? Donc quand Dieu déclare une parole sur toi, ta foi doit accepter cette parole. Même si tu n'es pas encore dans le combat dont Dieu parle, ta foi a déjà produit. L'Éternel dit, je te bénis. Ceux qui te bénissent sont bénis. Ceux qui t'aiment sont bénis. Ceux qui te maudissent sont maudits. Ceux qui t'attaquent sont attaqués. Ceux qui te poursuivent seront poursuivis. Est-ce que tu crois en cette parole? La foi. Est-ce que tu crois en cette parole? Dieu sait que toi là, tu ne peux pas te défendre tout seul. Dieu sait que tu auras des ennemis. Dieu sait que les gens ne vont pas t'aimer. C'est pourquoi Dieu a décidé de te bénir. Oh my God! C'est pourquoi Dieu a décidé de te bénir. Dieu savait qu'il aura des gens pour te maudire. Mais Dieu ne veut pas que la malédiction de ces personnes ait un effet sur ta vie. Dieu veut que leur malédiction se transforme en bénédiction pour toi. C'est pourquoi Dieu les a devancés. Et Dieu est venu te bénir. Mais quand tu es béni, tu es tranquille. Celui qui se lève et dit, je me transforme, je me dédouble, je m'en vais le tuer, il meurt. Il est couché sur son lit, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a eu. Il se lève le matin, on dit, ah, il y a telle personne qui est morte. Parce que tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Il se lève et dit, oh, moi je suis un vaudou, je suis un prêtre vaudou. Je suis magicien, je peux voyager là. Attends, il y a le tuer lui là, puis on n'en parle plus. Dieu dit, ah bon, c'est lui que j'ai béni là, tu es arrivé là-bas. Oh fiar. On dit, il est mort. Quand un autre se lève là-bas, il dit, non, moi je suis plus puissant que l'autre, je m'en vais venger. Dieu dit, toi aussi tu meurs. Parce que tu es béni. La bénédiction est sur ta vie. C'est pourquoi aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus, par le pouvoir du nom de Jésus, tu peux pas me faire ça après.
Mets-moi un pause là. Tu ne fais pas ça quand je prie, s'il te plaît. Tu m'imposes, tu fais ça après. La bénédiction est sur ta vie. Et parce que la bénédiction est sur ta vie, aucune malédiction ne va t'atteindre. Tout ce qui est déclaré contre toi est sans effet. Tu comprends? Je vais te dire une chose. Avant qu'on continue dans la prière, quand tu es béni là, ceux qui viennent pour te faire du mal ou te maudire, pas de chance. En fait, ils pensent que Dieu les aime, mais Dieu ne les aime pas. Dieu les déteste. Quand toi tu es béni, et puis des gens pensent qu'ils peuvent te faire du mal, c'est des gens que Dieu déteste. Ils n'aiment pas leur vie. Dieu veut leur faire du mal. C'est pourquoi Dieu les amène exprès pour attaquer toi qui es béni. On ne touche pas à quelqu'un qui est béni par Dieu. Quelqu'un à qui Dieu a déposé, vers qui, sur qui Dieu a déposé la bénédiction, on ne le touche pas. Donc quand quelqu'un vient t'attaquer en tant que béni, c'est que Dieu n'aime pas la personne. C'est que Dieu veut faire du mal à la personne. C'est que Dieu veut frapper la personne. C'est que Dieu veut foudroyer la personne. Donc toi, faut pas dire, oh, non, pourquoi? Toi, ce que tu dois faire, c'est alléluia, Seigneur, merci. J'ai la foi que je suis béni. En tout cas, garde cette foi. J'ai la foi que je suis béni. Aucun ennemi, aucun sorcier, aucun mystique, aucun marabout, aucun charlatan, aucune parole, aucune action de malédiction. Ils tomberont tous, que ce soit dans mon quartier, ma maison, ma famille, dans la politique, dans la religion, dans le christianisme, dans l'islam. Tous ceux qui sont complices contre ma vie tomberont. Il n'a qu'à être vaudou, il n'a qu'à être chrétien, il n'a qu'à être musulman, il n'a qu'à être païen, il n'a qu'à être même animiste. Tous ceux qui sont complices, qui se réunissent, qui disent « celle-là va la tuer, lui là va le tuer », Dieu les frappe un à un. Ils vont mourir d'une manière bizarre, sans aucune maladie, parce que tu es béni. Mais ils se sont réunis, ils se sont mis en réunion sur l'ordre de je ne sais pas qui, de vouloir t'avoir. Dieu les frappe. Dieu les frappe. La bénédiction te protège. Quand Dieu a décidé de te bénir, la bénédiction te protège. Des fois, tu ne connais pas tes ennemis. Tu penses que tes ennemis se trouvent seulement au milieu des chrétiens. Oh, il y en a parmi les féticheurs. Tu dis non, c'est parmi les féticheurs. Oh, il y en a parmi les chrétiens. Tu dis bon, c'est entre chrétiens et puis féticheurs. Oh, il y en a parmi les musulmans. Aujourd'hui où on parle là, il y a des musulmans qui s'associent à des chrétiens pour faire du mal à quelqu'un qui ne les arrange pas. Parce qu'ils sont liés à la politique. Et quelqu'un qui est au pouvoir va leur dire, celui-là me dérange. Et dans leur groupe, il y a chrétiens, il y a musulmans, il y a sorciers. Ils se réunissent, ils font leur réunion. Et puis il dit non, lui là il nous dérange. Hein. Oh, quand le musulman va à la mosquée là, personne ne peut savoir là-bas qu'il fait partie du groupe de ceux qui tuent les gens. Quand aussi le faux chrétien va à l'église, il peut savoir qu'il fait partie du groupe de ceux qui font du mal et qui tuent les gens. Il ne peut pas savoir que pour l'argent, pour le pouvoir et pour certaines choses, ils sont associés clandestinement pour faire du mal aux gens. Ça, on ne sait pas. Si c'est un pasteur, tu ne sais pas. Si c'est un imam, tu ne sais pas. Mais Dieu les connaît. Quand ils se rassemblent pour faire les choses là, Dieu les connaît. Maintenant, quand ils prennent les décisions pour dire on va aller tuer cette personne là, parce que cette personne nous embête, cette personne nous dénonce, cette personne nous fait du mal, cette personne est trop bénie. Dieu dit, ah bon, toi le vaudou tu meurs, toi le pasteur tu meurs, toi l'autre côté là-bas aussi tu meurs. Et puis nous on est là et puis on assiste. On est là et puis on assiste. Il y a des limites. Quand Dieu bénit des gens, quand la bénédiction, tu peux dormir tranquille. Quand la bénédiction de Dieu est sur toi, à ton propre palabre, c'est ça pour toi. Laisse s'élever. Ceux qui viennent là, contre toi qui es béni là, Dieu ne les aime pas. Dieu ne les aime pas. C'est toi que Dieu aime.
C'est parce que Dieu t'aime, toi qui es béni, que Dieu les encourage même à venir te faire seulement. C'est pourquoi Dieu les encourage à venir te faire du mal. Tu as compris? Tes ennemis, il y a des gens même qui les saluent. Tu te dis, bon, mes ennemis sont seulement comme je suis chrétien. Oh, mes ennemis là, comme je suis musulman, mes ennemis sont chez les musulmans. Non. Comme je suis. Non, aujourd'hui là, ils se retrouvent. Ils ont des clans. Ils ont des intérêts. D'intérêt commun. Ils ont quelqu'un qui les promet. Ils ont leur petit clan en cachette. Ils ont le même but. Ils ont le même chemin. Aujourd'hui là, il y a des faux chrétiens, des païens qui se rassemblent clandestinement pour des sacrifices humains, pour tuer des gens au compte d'un pouvoir, au compte de quelque chose. Et quand toi, ta lumière les dérange, tu ne sais pas qui va venir contre toi. Tu ne sais pas qui prie contre toi. Tu ne sais pas qui fait sorcellerie contre toi. Tu ne sais pas qui rentre dans la forêt sacrée ou dans les choses sacrées contre toi. Mais Dieu seul te protège parce que tu es béni. Celui qui va se lever, Dieu le foudroie. Celui qui prend la décision, Dieu le foudroie. Tu vas assister à leur mort. On va les enterrer un à un. Et tu vas rester là. On va les enterrer. Tu vas entendre qu'on les enterre seulement. On les enterre. On les enterre parce que la bénédiction de Dieu est sur toi. Nul ne peut t'atteindre. Garde cette foi. Avec cette foi. Moi, je ne peux pas comprendre comment un pasteur peut être sorcier. C'est ce soir-là, il est prêché dessus. Je ne peux pas comprendre comment un imam, il dit qu'il prie Dieu. Les gens vont à la mosquée pour prier Dieu. Et puis, c'est la sorcellerie qu'il fait. Il fait plein de choses contre les gens. Je ne peux pas comprendre. Comment un pasteur peut faire ça? Je ne peux pas comprendre. Si on me dit c'est un politicien, bon, je me dis il fait ça pour son pouvoir. Si on me dit c'est, je comprends. Mais quelqu'un qui dit il est pasteur, quelqu'un qui dit il est imam, les gens remplissent la mosquée pour prier Dieu. Les gens remplissent l'église pour prier Dieu. Et puis toi, tu es là, tu dis que c'est Dieu, tu pries avec eux. Quand tu finis d'aller enlever ton boubou ou bien de poser ta Bible, tu t'en vas te charger pour aller faire la sorcellerie, pour t'envoler pour aller tuer les gens, pour te dédoubler pour aller faire du mal aux gens, pour faire des sacrifices humains contre des gens, des humains. Pourtant, tu es là-bas, tu dis Dieu est bon. Tu es là-bas, tu dis Dieu est amour. Mais toi, tu crois que Dieu va te laisser continuer à faire ça. Il va te frapper. C'est pourquoi beaucoup sont en train de bizarre, on est là. Les gens sont là, ça fait pitié. Et 2020, ça fait. Moi, je suis là et vous regardez. Et vous regardez. Tu es béni. Nul ne peut t'atteindre. Tu es béni. Nul ne peut détruire ta bénédiction. Si c'est Dieu qui t'a béni, nul ne peut t'atteindre. Dieu a béni Abraham. Personne n'a pu atteindre Abraham. C'est la bénédiction de Dieu qui est la chose la plus importante. Celui qui se croit plus puissant que Dieu, qui va vouloir te toucher, toi qui es béni par Dieu, cherche sa mort. Il va te coucher dans son lit comme ça. On ne sait pas pourquoi. On vient le réveiller. On le réveille. Il est mort. Oh, Dieu l'a égorgé spirituellement. Oh, Dieu l'a tué spirituellement. Écoutez-moi très bien. Si Dieu est avec toi, il peut prendre un démon pour combattre un démon contre toi. Ça veut dire qu'un démon qui veut t'attaquer, Dieu va prendre un autre démon pour l'attaquer. Si Dieu est avec toi, il peut prendre quelqu'un qui a plus de pouvoir pour attaquer d'autres personnes qui ont des pouvoirs contre toi. Si Dieu est avec toi, des anges peuvent descendre du ciel pour combattre pour toi. Écoute-moi très bien. Ce que tu dois chercher dans ta vie, c'est la bénédiction de Dieu. Et tu dois garder la foi en ce Dieu. Si tu es convaincu que Dieu t'a béni, garde cette foi et reste tranquille. Qu'aujourd'hui le Seigneur remplisse encore ta vie de bénédiction. Que le Seigneur remplisse ta vie de grâce. Que tous les complots contre ta vie échouent. Même jusqu'au roi, jusqu'au fils du roi, jusqu'au prince. N'importe qui se lèvera contre toi, que Dieu le foudroie. N'importe qui osera penser un seul instant de comment ôter ta vie, que Dieu le foudroie. Qu'il les frappe à l'est, qu'il les frappe à l'ouest, qu'il les frappe au nord, qu'il les frappe au sud. Et que la foi que tu as mis en Dieu te préserve.
Nous prions pour ce deuxième jour de jeûne. Nous prions le Seigneur aujourd'hui pour que notre foi soit élevée. Nous prions aujourd'hui pour que notre foi grandisse. Nous prions aujourd'hui pour que le Seigneur fasse grandir notre foi. Que notre foi ne cesse de demeurer en lui. Et nous demandons la bénédiction de l'Éternel. Que cette bénédiction ne cesse d'agir sur notre vie. Ils se lèveront plusieurs, mais ils mourront tous un à un. Certains n'ont pas encore compris le message. D'autres veulent essayer pour d'autres encore. Qu'ils continuent. On va les enterrer un à un. Et ils comprendront que quand Dieu a béni quelqu'un, quand Dieu a béni quelqu'un là, ce n'est pas parce qu'il a millions et la milliard, il est milliardaire. Non, ça ce n'est pas la bénédiction. Quand Dieu a béni quelqu'un, ça veut dire qu'on ne peut pas le toucher. Quand Dieu a béni quelqu'un, ça veut dire qu'on ne peut pas le toucher. Il dit, Abraham, je te bénis. Celui qui te maudit sera maudit. Celui qui te bénit sera béni. Quand Dieu a béni quelqu'un, personne n'a le droit de le toucher. Tu es pasteur, féticheur, tu es franc-maçon, tu es politicien, tu es complice de je ne sais pas quoi, tu es complice de je ne sais pas quoi. Reste tranquille. Reste tranquille parce que tu vas mourir pour rien. Quand Dieu a béni quelqu'un, il faut le laisser. Parce que tu vas mourir. Avant de toucher celui que Dieu a béni, tu es obligé de tuer Dieu d'abord. Tu es obligé de tuer Dieu. Or, tu ne peux pas tuer Dieu. Dieu ne peut pas mourir. Donc, tu ne peux pas détruire celui que Dieu a maudit. Combien de fois Abraham a lutté? Combien de fois les ennemis d'Abraham sont tombés? Combien de fois les ennemis d'Isaac sont tombés? Combien de fois les ennemis de Jacob sont tombés? Quand Dieu avait quelqu'un, elles sont tombées. Quand Dieu avait quelqu'un. Frère, ce qui va permettre aux gens de t'avoir, c'est quand tu quittes la bénédiction de Dieu. C'est quand tu manques de foi. Aujourd'hui là, que le Seigneur te bénisse. Que sa bénédiction demeure encore sur ta vie. Qu'en ce deuxième jour de jeûne, Dieu te bénisse encore. Que tout ce que tu vas lui demander te soit accordé. Que le Seigneur continue son nettoyage autour de toi, dans ton village, dans ta famille, dans ton environnement. Que Dieu rende les chemins pour toi. Que sa grâce t'accompagne partout. Et que tout ce que tu demandes à l'Éternel, il te le donne. Soyez béni. Père, je prie pour tes enfants. En ce deuxième jour de jeûne, je prie que ta bénédiction les accompagne. Je prie que ta grâce les accompagne. Seigneur, nous recherchons ta bénédiction. Et tu as dit à Abraham que celui qui te bénit est béni. Maintenant, celui qui te maudit est maudit. Celui qui veut te tuer là, je vais le tuer. Celui qui veut t'attaquer, je vais l'attaquer. Tu as dit ça à Abraham. Et Seigneur, tu as respecté ta parole. Père, nous nous remettons entre tes mains. Nous, on n'est rien. On n'a rien. On n'a que toi. On ne compte que sur toi. À toi, Seigneur, de nous donner. À toi de nous protéger. À toi de nous garder. Et à toi de nous environner de ta gloire. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons pour notre pour la prière et pour la prédication. Ça sera plus long parce que là c'était juste pour prier pour le jeûne. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Suivez juste mon regard. Vous êtes bénis et Dieu est avec vous. Shalom.